Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'utilisation de l'onglet Observatory Control et Camera Control dans MaxMDL. Donc, au départ, je vais vous montrer un peu l'installation du télescope que je vais utiliser dans la démonstration. Donc, ici, j'ai un petit abri qui protège un télescope de marque Teleview, modèle NP101. Avec un diamètre de 10 cm et longueur focale de 540 mm. Ici, vous voyez un petit télescope de guidage avec un autoguideur Lodestar X2. Ce n'est pas de longue focale, c'est environ 250 mm. Vous avez ici la caméra CCD Zwig ST10 avec la roue à filtre, qui est le tout monté sur une monture Ioptron IEQ45. C'est l'ancien modèle, ce n'est pas le modèle Pro. Ici, vous avez une vue plus agrandie. Fait qu'ici, j'ai un système de chauffage pour chauffer l'objectif principal contre la buée. On voit le télescope de guidage ici en parallèle. On voit la caméra CCD et la monture Ioptron. Et moi, je commande tout ça à distance avec des logiciels comme TeamViewer, Anydesk. La seule chose que je fais, c'est d'ouvrir le toit. Fait qu'ici, on a une vue rapprochée de l'aspect de la caméra ST10. Fait qu'ici, j'ai un focuseur de marque James Mobile, le modèle NGFS, avec ici un encodeur et le Smart Focus pour pouvoir utiliser les logiciels d'automatisation comme Focus Max et ces genres de logiciels-là. Ici, j'ai l'autoguideur qui est installé après un petit télescope Quick Guide. On voit ici le sabot qui retient le tout. C'est ce système-là qui est commandé par les logiciels. On voit ici la monture équatoriale IEQ45 GTM qui est branchée sur un ordinateur de marque FITLET, FITLET. C'est un petit ordinateur qui a à peine 20 cm carrés et que j'utilise avec un disque dur SSD à longueur d'année dans mon petit observatoire. C'est extrêmement bien fait, ces petits ordinateurs-là. Ça vient d'Israël. Et moi, je commande le tout à distance avec TeamViewer. Je fais juste ouvrir le toit avec un système de treuil avec des poulies ici. Et j'allume mes instruments à distance avec une Web Power Switch de marque Digital Logger. Voici comment utiliser l'onglet Observatoire et Caméra dans MaxMDL. Au départ, je vais ouvrir l'onglet Observatoire ici. Fait qu'ici, dans le menu Setup, j'ai différents accessoires ici qu'on remarque. J'ai le télescope, ça c'est pour brancher notre monture de télescope. Je peux avoir deux focuseurs, un pour la caméra guide et l'autre pour le télescope lui-même. Si on a un dôme ou un toit ouvrant automatisé ici, il suffit d'aller chercher le driver correspondant et on rentre ça dans la petite flèche ici. Donc, exemple, ici, moi, j'ai une monture Ioptron IEQ45, un vieux modèle. Et ici, mon driver, ici, dans Choose, j'ai celui ici que j'utilise, c'est le driver Ioptron Ascom Driver 2013. C'est celui-là que j'utilise. Et je clique OK. Donc ici, on voit le nom du driver qui est utilisé. Dans le cas de mon ordinateur automatisé, mon toit qui ouvre avec un moteur de porte de garage, j'ai un driver Ascom ici pour ça. Station météo, si on en a, on le configure ici. Et ici, ce qui est intéressant, Auto Shutdown, si je clique sur ce bouton-là, je vais cliquer le bouton Configurer. Fait qu'ici, selon les conditions qu'on retrouve dans cette fenêtre-là, dans Shutdown Trigger, donc au lever du soleil, Twilight, ça c'est l'aurore. Ensuite, des avertissements si on a une station météo de nuages ou de pluie. Si l'objet est rendu proche de l'horizon, si on vient de perdre des toits de guide, ou si la séquence elle est finie. Fait qu'on peut choisir n'importe quelle de ces
fonction-là pour le mettre dans Active Trigger en le sélectionnant et en cliquant sur la petite flèche ici pour l'envoyer dans cette fenêtre-là ici. Exemple, si je veux avoir ici séquence N, je sélectionne, mais là, je l'ai déjà ici. Que si je la sélectionne puis je veux la renvoyer dans l'autre fenêtre pour que je la mette en brillance, et je clique à petite flèche ici. Et maintenant, si je veux la récupérer, séance N, je la sélectionne du côté Shutter Triggers et je l'envoie dans l'autre côté. Et ça ici, c'est ce qui va être des conditions qui vont me permettre de faire d'autres fonctions, des fonctions de shutdown commande. Comme parquer le télescope, fermer le toit, fermer le système de couleur de la caméra et tout ça. Fait qu'on choisit ce qui fait notre affaire ici. Fait qu'encore là, on peut le mettre par séquence de priorité. Comme moi, j'ai choisi dans la liste ici de première chose qu'il va faire lorsque si une de ces conditions arrive. Si, exemple, on a fini notre séquence avant l'aurore. Fait que la condition, elle est remplie. Fait qu'il va exécuter ce qui est dans cette fenêtre Active Command ici. Fait que moi, il va parquer mon télescope. Il va attendre que le télescope soit complètement arrêté. Ensuite, il va fermer mon toit d'observatoire. Il va attendre que le toit soit complètement fermé. Ensuite, il va réchauffer ma caméra CCD. Puis, il va tout déconnecter automatiquement. Fait qu'une fois qu'on a tout fait ça selon nos besoins, on clique OK ici. Et lorsqu'on veut activer cette fonction-là d'auto-shutdown, c'est très important ici d'aller cliquer sur ARM. Comme ça ici. Fait que si on ne le fait pas, ça ne s'appliquera pas. Fait que ça, c'est seulement à faire lorsqu'on est prêt avec notre séquence, parce que si on fait des tests, il ne faut pas cliquer sur armer parce qu'il va constamment faire les commandes qu'on lui a demandé de faire. Fait que c'est seulement lorsque vous allez faire votre séquence finale de prise d'image que vous allez utiliser ce bouton-là. Maintenant, une fois qu'on veut connecter le télescope, on clique ici « Connect ». Mais avant, ici, les fenêtres qu'on voit là, on n'est pas obligé de toutes les avoir. Fait qu'on peut cliquer sur « Options » ici, puis enlever ce qui ne fait pas notre affaire. Fait qu'on, exemple, moi, je n'ai pas besoin de... Exemple, la webcam, je l'ai accroché, je l'ai enlevé, j'ai décoché simplement. Fait que tout ce qui est là, présentement, c'est ce que je me sers. Fait que vous cochez ou vous décochez selon vos goûts et c'est ça qui va apparaître ici en haut. Ce qui est intéressant, je vais connecter mon télescope ici. Fait que je le connecte ici. Fait que là, mon télescope est connecté. Maintenant, en haut, j'ai d'autres fonctions que je peux utiliser. Exemple, ici, si j'ai une station météo, mais là, il utilisait, on verrait les paramètres ici. Dans ce cas ici, je n'en ai pas. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement cliquer sur Options ici. Ça, c'est les différentes stations qui supportent. Baldwood Cloud Sensor, il y a Davis Weather Station, Observing Condition. C'est toujours dans Setup qu'on va paramétrer ça. Je vais enlever cette fenêtre-là. Fait que je vais cliquer Options. Parce que pour l'instant, je n'aurais pas besoin. Je n'ai pas activé. Fait que Show Weather, fait que je ne veux pas l'avoir. Je décoche. Et on le voit qu'il est disparu ici. Status, c'est intéressant ça parce que ça l'indique selon l'objet que vous avez sélectionné. Bon, des informations comme la coordonnée à son centre de déclinaison. Ça donne l'information aussi sur la caméra, les conditions météo et tout ça. À quelle heure qu'il va passer au méridien ici de transit. Et les heures du toilette, le commencement et la fin, ou le crépuscule nautique et tout ça. Il y a également les phases de la Lune, le lever de l'objet, le transit au méridien, ce qui se couche. Fait que quand vous sélectionnez un objet particulier, mais c'est dans cette fenêtre-là où vous pouvez avoir plein d'informations. Focus, c'est si vous voulez faire votre focus manuellement, mais vous avez les fonctions ici de MaximDL pour le faire. Fait que vous mettez vos informations qui concernent votre focus ici et vous pouvez
agir pour faire le focus de votre image. Je reviendrai une autre fois pour vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Le dôme, c'est la même chose. Lorsque vous avez un observatoire automatisé, bien, quand vous avez actionné le driver de votre dôme, bien, il devient actif ici. Ça, j'en parlerai plus tard aussi. Télescope, ça c'est intéressant parce que dans cet onglet-là, on a beaucoup d'informations comme ici. Exemple, là, j'avais arrêté le moteur tantôt. Si je veux partir le moteur du télescope, bien, je clique sur Start ici. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit en mode park. Il faut faire On Park, sinon il va y avoir un message qui va vous dire de faire un On Park. Dans cette fenêtre-là, ici, on peut configurer beaucoup de choses concernant le Meridian Flip. Ici, dans Limit and Flip, je vais en parler plus tard, on a des fonctions pour faire un Meridian Flip. C'est-à-dire, lorsque l'objet arrive proche du méridien, automatiquement, il va finir la photo, puis il va faire le tour du méridien, il va aller chercher l'image de l'objet, l'autre côté du méridien, puis il va partir la séquence de photos. Donc ça, Maxime DL 6.29 le fait. Il y avait des versions avant qui le faisaient aussi. Catalogue, ça c'est intéressant parce que ça vous donne la possibilité d'aller chercher des objets du système solaire ici ou des objets du ciel profond. Fait que si, exemple, vous voulez chercher ciel profond, vous cliquez Deep Space. Et exemple, je vais aller chercher M1. Je fais M1, je fais Search ici, puis il va aller chercher dans le catalogue tout ce qui commence par M1. Évidemment, il faut connaître un peu son ciel. Fait que celle qui m'intéresse, c'est celle-là ici. Fait qu'une fois qu'on a sélectionné M1 qui nous intéresse ou l'objet qui nous intéresse, bien, vous allez ici faire un goto. Ça va se placer sur votre cible. Et vous pouvez, une fois que l'objet est bien placé, vous pouvez faire une synchronisation sur les coordonnées de l'objet ici pour synchroniser votre monture. Ça, j'y reviendrai une autre fois aussi. Le zoom, ça c'est intéressant, c'est une carte du ciel de Maxime DL, mais ce n'est pas la meilleure des cartes du ciel que je connais. Et ici, si on clique le bouton Snap to Scope, ça montre ce qui pointe au télescope présentement. Il y a possibilité, en jouant avec la souris, d'aller chercher un peu plus de champ. Et vous avez des options ici intéressantes. Si on clique ça ici, comme si vous voulez avoir les coordonnées à son sens d'inclinaison en J-nord, ça, il tient compte de la précession. Si vous avez des catalogues qui vous donnent des coordonnées en 2000, vous pouvez choisir celle-là ici. On peut trouver Find Scope Position. Si je clique sur ça ressemble exactement à ce qu'on a ici. Snap to Scope. Ça ressemble bien gros à ça. Que si je le décoche ici, on le voit quand même encore, là. Mais peut-être qu'il est coché dans l'option ici. Non, il n'est pas là. Ici, lorsqu'on fait une calibration astrométrique, on peut voir l'image apparaître dans la carte du ciel de Maxime DL. Fait que le bouton Auto-Overlay Solve Image, c'est bon de laisser cocher parce que c'est là qu'on va voir les photos apparaître une fois qu'ils sont calibrés. On a un zoom possible, fait qu'on a différentes. On peut le faire soit à la main, comme exemple ici, si je vais avoir un champ de 1 degré, je clique sur 1 degré ici. Et j'obtiens un champ d'un degré, ou je le fais avec la roulette de la souris. Et on a toute l'information qui apparaît ici, là, si je pointe cet objet-là. Ben, on a l'information ici qui apparaît, le nom d'étoile. Évidemment, il faut configurer le bon catalogue. Et ça, vous allez ici dans Set GSC Location. Bon, ça, normalement, vous installez le Gaussian Catalogue qui vient avec Maxime DL. Il s'installe ici dans le C, il s'appelle GSC en 1. Puis, une fois qu'on l'a, il faut aller le chercher ici où il est sur le disque dur pour que lui puisse le lire. Fait que, moi, j'ai dans le C, GSC en 1. Il est choisi dans ça. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir, par exemple, si je grossis l'image énormément, là, c'est déjà grâce à catalogue. Mais si je clique une étoile qui est faible, on voit GSC, le nom d'étoile ici, sa coordonnée, sa magnitude. Mais si on n'a pas configuré le grâce à catalogue, on ne verra pas cette information-là. C'est important.
Puis ça, si on le fait une fois là, on est correct parce qu'on l'a également aussi dans Pinpoint Astrométrie. Fait que si on clique ici, la fonction Pinpoint Astrométrie, on demande ici quel est le catalogue de référence que vous voulez choisir pour faire exemple l'astrométrie. Moi, j'ai dans ce cas ici le UCAC4, un catalogue beaucoup plus complet que le GSC. Mais on peut aller chercher ici, si on clique sur PAT, le GSC 11 ici. Et ça va, à ce moment-là, on va utiliser le Gaster Catalogue. Ça, je reviendrai avec ces fonctions-là un petit peu plus tard. Fait que là, maintenant, j'ai branché ici mon télescope. Si je regarde dans l'onglet télescope, on voit qu'il est en vert ici. Si je veux arrêter le moteur, suspendre temporairement, je clique sur Stop ici. Et on va voir que il va arrêter ici l'entraînement et il va marquer ici Idle ou Stop. Quand il est dans le rouge, c'est que le moteur, actuellement, il ne suit pas. Ici, si on clique Set and Optics, on retrouve un peu ce qu'on a vu au début ici dans Settings. C'est les mêmes paramètres. Si on a configuré ça une place, Set and Optics ici, si on a configuré ça une place, en principe, on n'a pas besoin de le refaire. Fait que si on a oublié, on peut le faire ici aussi. Fait que je clique ici, Set and Optics. On va retrouver exactement la même fenêtre ici. Fait que ça, une fois que c'est configuré, en principe, ça demeure tout le temps actif. Bon, ici, on a des. Ici, si vous avez, exemple, un astéroïde géocroiseur ou une sonde spatiale ou un télescope spatial comme le James Webb, vous avez les coordonnées d'un site comme le JPL Horizon pour une date et heure donnée, bien, vous rentrez ici sous forme heure, minute, seconde. Fait que si, exemple, vous avez un catalogue qui s'est marqué 18h, 27 minutes, 33 secondes, vous marquez seulement 18, espace, 27, espace, 33. Même chose en déclinaison. Puis, il faut cliquer « Go to ». Fait que votre monture va pointer vers la coordonnée qui est marquée ici. Si, lorsque vous allez faire à partir d'une image, une calibration astrométrique, il va trouver exactement le centre de l'image. Vous cliquez ici sur le bouton « Sync ». Synchronisez votre monture sur le centre de l'image. C'est extrêmement précis. Puis après, à ce moment-là, avec le catalogue, on est capable d'aller chercher en précision, centrer notre cible parfaitement. Je ferai des démonstrations bientôt. Fait que ça, c'est pas mal l'onglet d'observatoire, la revue en gros. Fait que si vous avez d'autres accessoires, vous les connectez. Une fois que tout ça est connecté, on peut cliquer sur le X ici pour fermer la fenêtre, mais elle est toujours active si je clique sur l'observatoire ici. Les petites icônes d'observatoire. Je peux la récupérer. Et là, je peux récupérer n'importe quel onglet ici en cliquant dessus pour aller chercher l'information. Je vais remettre ici dans le télescope. Je vais remettre le moteur pour qu'il puisse continuer à suivre dans le ciel. Et on remarque que le zoom ici, dans l'onglet zoom, si je mets la... J'ai également une autre carte du ciel ici qui est All Sky, c'est tout le ciel. Et on voit ce qui pointe. Bien, vous remarquez que le planétarium de Maxime DL, ce n'est pas le meilleur. Il n'y a pas d'astéroïdes, il n'y a pas de comètes. Par contre, vous pouvez l'associer avec d'autres logiciels. Fait que si ici, dans Setup, vous voulez utiliser un autre logiciel avec votre monture que celui de Maxime DL, bien, c'est bon d'aller chercher ce qu'on appelle un hub, un pot, avec les fonctions de. Avec les fonctions de ASCOM, il y avait le pot POTHHUB, pot hub, qu'on choisissait ici parmi la liste dans Setup. Moi, ici, ce que le driver j'utilise, Eoptron ASCOM driver, 2013, c'est un pot hub aussi. Fait que, si je le branche ici, je peux utiliser le shell de Sky, le planétarium du shell de Sky
autant avec Maxime DL, parce qu'il va me pointer dans le ciel ou pointer le télescope. Puis je peux utiliser Dusker pour pointer des cibles ou Maxime DL ou vice-versa. C'est ça qui est intéressant avec les potes hub. Ici, dans Chose, j'en ai un que je pourrais utiliser, c'est Ascom Telescope Driver for the Sky. Ça aussi, c'est un pot hub. Device Hub Telescope, ici, ça en est un autre. Puis moi, celui que j'utilise avec ma monture, c'est celui-là ici. Fait que vous pouvez utiliser tout ce qui est là, marqué Hub. Bien, ça, c'est bien pratique. Ou si vous savez que si vous avez un driver qui agit comme un hub, comme dans mon cas ici, je sais que c'est ça qui est fait. À ce moment-là, sélectionnez-le, connectez-vous. Puis regardez bien, je vois, là, je pointe actuellement ici dans le ciel, dans cette constellation-là. Je vais aller voir où est-ce que ça pointe dans le zoom. Je vais mettre le plus grand champ possible, juste au maximum. Bon, donc ici, si je vais voir le logiciel de Sky, on va voir également où est-ce qu'il pointe le télescope. Fait que présentement, je suis ici. Fait que je vais grossir un peu plus. Si je l'amène, mettons, si je veux l'envoyer sur un objet connu, supposons que je veux l'envoyer sur le débarrant ici, je dans le sky. Je clique sur le débarrant, bouton droit de la souris. Je dis « slow ». Fait qu'en principe, lui, il devrait s'en aller faire le tour du méridien, passer par-dessus le pôle, puis s'en aller ici sur la cible à débarrant. Fait qu'on voit ici qu'il s'en vient. Là, ici, il n'est pas passé par-dessus parce qu'il était simplement proche du méridien. Fait qu'il va se mettre sur le Aldébaran. Puis en principe, si je vais voir, une fois qu'il est rendu dessus, dans Maxime DL, si je vais voir dans Maxime DL maintenant ce qui pointe au télescope, si je clique sur Snap to Scope ou si je vais cliquer ici sur Find Scope Position, c'est la même chose, je clique dessus. Fait qu'on voit qu'il vient de me pointer ici Aldébaran, puis si je clique dessus, bien, il va m'indiquer ici le nom de l'objet, sa position et sa magnitude. Fait que je suis exactement sur Aldébaran ici, puis dans Dusky, je suis exactement au même endroit aussi sur Aldébaran. Fait que on va remarquer qu'on peut utiliser un logiciel avec un planétarium supérieur à Maxime DL en utilisant un ASCOM qui joue le rôle d'un hub HUB, comme le POT hub ou ASCOM. For the sky, là, et ces genres de hubs-là. Bon, maintenant qu'on a configuré un peu notre tête observatoire avec notre monture, on va aller voir la caméra. Je clique sur le petit bouton ici, Toggle Camera, Control, je clique sur ça. Et ça, ce que ça va faire, ça va ouvrir ici la fenêtre qui concerne les caméras. Fait que la première chose, ici, il faut aller dans Setup. On a caméra 1, on a caméra 2. La caméra 1, c'est la caméra principale qu'on va utiliser. Dans mon cas, moi, c'est une caméra Zbig ST10. On voit ici. Fait que dans la liste caméra modèle, vous allez chercher le driver qui correspond à votre caméra ou le driver ASCOM. Fait que si vous avez un driver ASCOM, vous cliquez ici. Puis vous allez chercher le driver ASCOM qui correspond à votre caméra. Là, il faut faire attention ici parce que le chip principal, il peut s'inverser pour être utilisé comme autogardeur aussi. Dans les caméras big, le chip principal, il peut être utilisé comme autogardeur. Et à ce moment-là, si j'utilise une caméra extérieure, comme moi, j'ai une Lodestar X2 qui est branchée sur un petit télescope guide en parallèle sur mon télescope TeleView. Fait qu'ici, c'est important d'aller chercher External Remote dans la configuration de la caméra principale. Fait qu'on peut voir ici, si on clique sur Advanced, c'est quoi qu'on peut faire aussi, mais dans ce cas ici, il n'y a rien à changer.
Ça, c'est pour ma caméra principale. Dans la caméra ici de le setup, la caméra numéro 2, c'est la caméra que j'utilise comme autoguideur. Dans mon cas ici, c'est une caméra Lodestar de Starlight Express. Fait qu'encore là, vous cliquez sur Setup caméra. Et là, ici, dans Caméra modèle, vous allez chercher la caméra qui correspond à celle que vous utilisez. Vous pouvez également avoir utiliser Ascom. Si votre caméra de guidage a un laveur Ascom, vous cliquez sur Ascom. Puis à ce moment-là, si vous faites Ascom ici, vous allez cliquer sur Advance. Et là, ça, dans la fenêtre Ascom Caméra Chooser, il faut aller chercher le laveur Ascom qui correspond à votre caméra. Comme dans mon cas, moi, c'est une Lodestar. Fait que la Lodestar, elle a un laveur natif pour elle, puis elle a également un driver Ascom. Fait que moi, dans mon cas ici, je peux utiliser les deux. Fait que si je prends le Ascom, je vais prendre le Starlight Express ici. Il y a le premier qui est ici, je clique sur Propriété. Parce que dans Propriété, il ouvre une fenêtre ici en bas. Et là, il y a des configurations qu'on peut faire pour la caméra avec le driver Ascom. Fait que moi, je n'en ferai pas ici. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez OK. Et ici, Exposure Start Time, vous pouvez choisir entre Ascom ou Maxim DL. C'est quand vous allez faire partir votre caméra, bien, vous pouvez la partir à partir de Maxim ici ou à partir du driver Ascom. Dans ce cas ici, j'utilise Maxim, je vais prendre Maxim ici. Et le gain, tout ça, enable. En fait, c'est des paramètres qui concernent votre caméra. Vous pouvez aller voir dans l'aide du logiciel ou sur les forums si vous cherchez à bien configurer votre caméra. C'est quand même assez bien. Il faut faire des tests. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait tantôt là, avec la fenêtre ici. Fait que si je n'ai pas de paramètres à faire, je vais simplement la fermer. OK. Maintenant. Moi, ce n'est pas une caméra qui est refroidie, mais si elle était refroidie, le petit bouton couleur ici va venir actif. Comme certains modèles de caméras ZWO, ils ont des refroidisseurs. Fait qu'à ce moment-là, ça devient actif. Fait que quand je veux brancher ces caméras-là, je clique sur Connect ici. Et là, automatiquement ici, la première chose à mettre, c'est le couleur. Fait que, ici, moi, la seule caméra qui possède un couleur, c'est la caméra 1, qui est ma caméra Zbig ST10. Fait que, ici, je vois couleur. Puis c'est important, des fois, quand il y a une grosse différence de température, de ne pas y aller trop vite. C'est peut-être bon d'y aller par étapes, comme là. La température, mon set point est à moins 30. Puis la température de mon capteur que j'ai réglé, c'est moins 30. Fait que là, je suis équilibré, parce que j'ai déjà parti ma caméra. Mais supposons que je voudrais mettre ça à moins 30 puis il fait à moins 10. Mais il faut y aller peut-être par palier pour ne pas créer de cristaux de glace sur la lentille. Fait par exemple, vous commencez à moins 10. Lorsqu'il atteint moins 10, il est équilibré. Vous mettez moins 15 ou moins 20. Puis vous y allez graduellement. Et non pas mettre moins 30 tout de suite. Ça fait un gros écart. Puis ça refroidit bien vite. Puis là, vous allez avoir, s'il y a de l'humidité dans votre chambre, vous allez avoir l'apparition de cristaux de glace. Fait que je clique ici, OK. Et on part ici avec le On. On met le couleur sur On. Et là, on va voir qu'il va s'équilibrer ici. Il va avoir un équilibre qui va se faire. Fait que, mais après un certain temps, lorsqu'on s'assure que le sensor et la température de point sont pas mal semblables, il peut avoir plus ou moins 1 degré d'écart, on est prêt. Donc ici, c'est le setup. Ici, vous avez la partie qui concerne l'autoguideur. On va voir comment faire une calibration, parce qu'il faut toujours commencer par une calibration. Ensuite, on va voir comment faire le tracking de l'autoguideur dans Maxim DL. Puis ici, c'est l'onglet Exposition. C'est là qu'on va faire nos prises d'image, notre focus. Nos séries d'images avec Maxim DL.